si les nuits ont été des nuits de pleurs, le matin se lèvent des chants d'allégresse. Et ce matin, quelqu'un se réveille avec un cœur débordant de joie. Quelqu'un sort de sa couche avec un cœur débordant de reconnaissance et de joie. Oh, s'il a passé la nuit à pleurer alors que le soleil se présente, ta grâce se renouvelle, tes bontés se renouvellent, tes compassions ne sont pas à leur terme et son âme peut être encouragée. C'est pourquoi, oui, mon âme est encouragée ce matin et je peux lui dire, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, mon âme, souviens-toi de sa fidélité, ses bontés ne sont pas à leur terme. Ce matin, ses bontés se renouvellent et des cris de joie peuvent être mon partage. Les cris de joie peuvent se faire entendre sous mon toit. Oui, Seigneur, je peux danser au devant de ta fidélité. Je peux danser, je peux exprimer ma reconnaissance parce que tu viens à mon secours. Tu viens à ma rencontre. Papa, tu viens à ma rencontre. Et alors que je nous entends dans ta présence, tu nous souris. Oui, Seigneur, quelqu'un peut sentir ton sourire ce matin. Et nous voulons te saluer, Père. Nous voulons te saluer, Papa. Nous voulons, si possible, t'embrasser ce matin. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es à ma paix. Tu es notre force. Tu es notre paix. Tu es notre espérance. Et nous te célébrons. Oui, l'Éternel est ma force. Oui, l'Éternel est ma force. Lui, l'Éternel est ma force. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son doigt. L'Éternel est ma force et mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. En lui, mon cœur se réjouit. Alléluia. Et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je loue le Seigneur par mes chants. Oui, j'ai de l'allégresse dans le cœur. J'ai de l'allégresse dans le cœur. J'ai des transports d'allégresse. J'ai des transports d'allégresse. Mon âme est réjouie. Mon âme est rassurée. Mon âme exulte d'allégresse. Parce que mon Père est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Célébrons-le, célébrons-le. Ce matin, si vous pouvez vous tenir debout, faites-le avec nous ce matin. Alléluia. Exprimez-lui votre confiance. Parce qu'il est votre force. C'est toi qui restaure. C'est toi qui relève. C'est toi qui fortifie. C'est toi qui renouvelle, papa. S'il y a des gens souillés de fatigue, de doute, de tristesse, de pression, oh, ce matin, notre nous tenons dans ta présence. Et que nous te louons.
Jésus.
qui est comme un fardeau à tes pieds. Est-ce que tu rassures mon âme? Est-ce que tu es au contrôle de tout? Ah, j'ai envie de dire, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, qui ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau qui rafraîchit mon âme, oui, l'eau de la vie, tu ne taris jamais. Intarissable torrent.
direction, mon caractère de toi, Seigneur. Reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet effet, par cela que le Saint-Esprit nous aide et nous crions « Abba Père », c'est-à-dire « Père ». C'est-à-dire Père. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. C'est-à-dire Père. Et ce matin, quelqu'un peut dire Père. Abba Père. D'autres peuvent dire Papouné, notre Père. Ce matin, quelqu'un peut-être qui n'a pas connu l'amour d'un père peut crier « Abba Père ». Peut-être quelqu'un qui a été troublé peut crier « Abba Père ». Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Moi et moi, maison, nous venons t'adorer, papa. Nous venons t'embrasser les pieds et les mains. Oui, Seigneur. Oui, tu es spécial. Tu es plein de grâce et de compassion. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Ton amour ne faillit pas. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Abba Père, je t'adore. Mes sentiments, Seigneur, je t'aime tant, Abba Père, je t'adore, je te donne ma vie, je je t'aime tant.
Yeah.
l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Tu n'aimeras que lui seul. Oui, tu as aimé jusqu'à donner ta vie à la croix. Tu as cédé ta vie, tu l'as sacrifié par amour. Et tu as déversé cet amour en nous. Et nous pouvons crier « Abba Père » encore et encore. Abba Père. Thank you.
De malédiction, parce que tu es Jésus, le Messie qui a été promis et qui va. Tu vas pour la libération. Tu as accompli ce que tu devais accomplir et la mort n'a pas pu te retenir quand on pensait qu'on t'avait enterré et que c'était complètement fini pour toi. On a même roulé une grosse pierre pour mettre devant ta tombe comme si tu étais un homme sans pouvoir être pourtant, sans pouvoir être Dieu. En réalité, tu étais homme et Dieu. Et tu es sorti à travers cette grotte et à travers cette grosse pierre. Tu es sorti vivant, ressuscité. Alléluia. Tu es sorti avec notre libération. Alléluia. Totale. Alléluia. Et aujourd'hui, quiconque court dans tes bras, Alléluia, court vers ta direction, Alléluia, ne peut que connaître l'éternité et la vie éternelle. Amen. Nous vivons, mais nous ne vivons pas que pour ce temps, nous vivons pour l'éternité. Amen. Parce que toi, tu vis pour l'éternité. Alléluia. Et c'est pourquoi Pierre avait eu la révélation de dire, mais toi tu es le Christ. Amen. Quand tu as demandé aux disciples, mais que dites-vous de moi? Pierre a dit, mais tu es le Christ. Amen. Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, l'immortel, yes, l'incomparable. Celui que la mort n'a pas pu retenir. 3 jours, tu es sorti victorieux. Tu es sorti avec les clés des séjours des morts. Oui, Seigneur, oui.
et tu vis éternel. Tu vis d'âge en âge, de génération en génération, de siècle en siècle, et tu reviens bientôt, tu reviens avec les nuées, tu reviens juger. Alléluia. Et nous, dans cette génération, nous te célébrons. Nous célébrons ta grandeur, alléluia, et ta suprématie, et ta majesté, grand, et ta grandeur, et ton pouvoir. Nous célébrons ta vie, Zoé. Nous te célébrons. Parce que tu es notre roi. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Et nous ne voulons que ton règne. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous ne nous prosternons que devant toi. Oui. Nous ne nous inclinons que devant toi. Oui, Seigneur. Et nous haïssons le monde avec ce qu'elle renferme. Oui, Seigneur. Nous haïssons le monde avec ses iniquités. Oui, Seigneur. Et nous nous prosternons devant toi. Oui, Seigneur. Nous sommes tes sujets. Au-delà de l'adoption, nous sommes tes fils et tes filles, certes, mais nous sommes tes sujets. Nous t'appartenons. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et c'est ton règne que nous désirons pour les nations, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ton règne pour nos nations. Oui, Seigneur. Ton règne pour, oui, ces peuples qui souffrent, oui, oppressés par le diable, oui, envahis par les ténèbres. Oui, Seigneur. Alors que nous nous prosternons devant toi, nous disons oui à ton règne. Que ton règne vienne, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Abraïbos, entekebaï, telebraï, mawa, etobish. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne pour celui qui souffre, Seigneur. Que ton règne vienne pour ces peuples qui attendent des délivrances de partout. Parce qu'en réalité, les délivrances ne viennent que de toi. Abba Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur cet autel, Seigneur. Que ton règne vienne. Nous déposons nos vies, oui, Seigneur, et la vie des peuples et la vie des nations et de cette génération. Et nous disons que ton règne vienne. Que les ténèbres soient dissipées, que les cœurs reviennent à toi, Seigneur. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Seigneur, à quel autre irions-nous? Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie, les paroles qui changent, qui transforment et qui rassurent, les paroles qui relèvent. Celui qui pense que tout est fini pour lui, les paroles que tu lui donnes le relèvent, le rassurent. Il prend de l'envol et il devient ce que tu dis qu'il est. Seigneur, à quel autre irions-nous?
Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur? Seigneur, à quel autre? À quel autre? C'est en toi que nous nous confions.
vous êtes connectés, si vous nous écoutez, si vous nous suivez, et si vous n'êtes pas sûr de votre salut, il vous suffit simplement d'inviter Christ dans votre vie. Vous pouvez faire cette petite prière après moi et dire: Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour mon salut. Et quand on parle de salut, c'est un package complet, non seulement d'une vie éternelle, mais aussi de la joie, du bonheur sur la terre des hommes. Et ce matin, ou ce soir, qu'importe l'heure, je lève mes mains vers toi et je dis: Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, je veux marcher avec toi. Merci de pardonner mon passé et de me donner une nouvelle vie. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour mon nom inscrit dans le livre de vie. Merci pour ton alliance. Je marche dans l'alliance où tu es mon père et je suis ton fils ou ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, soyez les bienvenus dans cette grande famille pour l'éternité. Alléluia. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon week-end. Le rendez-vous est pris certainement pour samedi prochain à la même heure.